vous n'oublierez pas à venir. Vous voyez, monsieur Pan, vous ne pourrez pas tuer mes rêves. Mais mes rêves vont vous tuer. Mes amis m'appellent Jinx. Vous êtes ma chanceuse. Seulement en amour. Lui, c'est Zao. On se reverra en enfer, Pan. Tanner Abonde, votre contact de la NSA, l'agent Jacinta Johnson, est au Palais de Glace depuis 3 quarts d'heure. Elle va vous briefer pour la mission à l'Ice Bar. Vous devez la trouver. Écoutez, je vous dis que ce n'est pas de notre faute. Mesdames et messieurs, la présentation d'Icar commencera dans 10 minutes. De ces hommes qui croient les femmes incapables de diriger. J'ai viré mon conseil d'administration. Oh, je vous dis que ce n'est pas de notre faute. Le gouvernement aurait pu réagir pour éviter ce soi-disant crime. Ils cherchent toujours un bouc émissaire. Et la presse. Bond ? James Bond ? Vous devez être Jacinta Johnson. Mes amis m'appellent Jinx. Vous êtes malchanceuse ? Seulement en amour. Qu'avez-vous appris sur Graves et Icar? Nous devons nous glisser dans le bureau de Graves avant la démonstration. Je te raconterai les détails en route. James, je crois que c'est Graves, là-bas. Les Américains sont inquiets à propos de la technologie de Graves pour le projet Icar. Nous envisageons un double usage éventuel. Un appareil inoffensif peut très bien devenir une arme. Je dois placer ça sur la console pour qu'il puisse intercepter les protocoles de commande de Graves et mieux étudier sa technologie. Commençons par la suite de Graves. On peut y arriver par la mezzanine VIP. Mais il faut d'abord monter sans se faire repérer. James, il faut qu'on soit prudent. Bond. Nous devons rester discrets. La suite de Graves est par là. Mesdames et messieurs, la présentation d'Icar va commencer. Veuillez suivre nos guides vers l'événement. Il doit y avoir quelque chose là-dedans. Ça devrait être rapide à installer. C'est bon, on a fini. Hé, hey, dépêchez-vous. Graves attend. Oui, monsieur. Liaison à distance avec Icar établie. Gustave. La liaison est établie. C'est bon. Bon, allons à la présentation. Intéressante manière de porter des diamants. Lui, c'est Zao, un espion nord-coréen. Il a tué 2 de nos agents l'an dernier. Je m'occupe de lui. Non, pas encore. Allons d'abord voir la présentation et déterminer ses liens avec Graves. Ensuite, tu pourras agir. Imaginez, un autre soleil brillant comme un diamant dans le ciel. Que la lumière soit! Je vous offre Icar! Qu'en penses-tu? Regarde, là-bas. Ai-je bien investi? Impressionnant. Mais fonctionnera-t-il sur le terrain? La démonstration n'est faite qu'à mi-puissance. Je vous invite maintenant à rejoindre la fête. Je vais regagner mon bureau et préparer la prochaine phase de l'opération.
Bond, nous avons identifié les hôtes de Graves. Ce sont des militaires nord-coréens. Vous devez vous emparer de cette console. Elle ne doit surtout pas tomber entre leurs mains. Toi, tu suis à haut, je vais filer Graves. Ne va pas te mettre dans le pétrin. Toi non plus. $10,000 par semaine payable en or? Oui, qu'est-ce que t'en penses? Je suis peut-être pas riche, mais je suis pas idiot. D'un autre côté, pour 20,000 par semaine, je peux bien y aller. Besoin de nous? Pour ça, y a rien de sûr. Mais mon Gondry a entendu dire que vous allez tous partir dans une base secrète en Extrême-Orient. Je sais, mais il dit à personne que je te lis. C'est ici que j'ai vu quelqu'un! J'ai trouvé Graves. Il est dans le biodôme. Est-ce que c'est ça que vous cherchez? Vous devriez me le dire. Trop longtemps, l'Occident s'est immiscé sur la péninsule de Corée. Grâce à Icar, je vais griller votre zone démilitarisée. Et le Nord descendra pour unifier la Corée une fois pour toutes. C'est ce que vous appelez aider le monde? Pour les Nord-Coréens, oui. Le problème, c'est que votre secret est éventé. Je ne suis pas le seul à être au courant. Vous parlez de votre amie américaine, Jinx? Jinx! Je crains qu'elle ne soit bientôt victime d'un tragique accident industriel. Vous m'écoutez, Bond? Vous n'allez tout de même pas rater la mort de votre amie. Vous serez le suivant, Bond. Jay, j'aurais besoin d'un coup de main. Damn.
coup de main. Rien de tel qu'une épilation au laser. Il faut qu'on arrête Graves. Allons-y. Je veux un tiers de suppression. Aller à ma voiture. M6 à Bond. Je suis les mouvements de Graves avec le satellite et les drones. Il se dirige vers une piste de fortune. Vous avez environ 3 minutes et demie avant qu'il ne l'atteigne. Bond, activez l'antipatinage pour une meilleure adhérence sur la glace. Anti-patinage activé. Bond, je détecte un véhicule très rapide qui se rapproche de vous. James, c'est Zao. Attention! Bond, activez votre détecteur de menace pour prévoir les attaques de Zao. Détecteur de menace activé. Bond, évitez les attaques de Zao. Détecte un pic d'énergie venant d'Icar. Bond, votre bouclier tient bon, mais vous perdez un temps précieux. Bond, votre détecteur de menace pourra prévoir la prochaine attaque d'Icar. Attention.
Graves est devant vous. La rampe de chargement est baissée. Je crois que la seule solution serait de foncer dedans. Foncer dedans ? Great. Tu t'occupes des pilotes ? Pas de problème. Allons-y. Coordonnées cibles principales confirmées. Début compte à rebours, séquence de tir automatique. Je vais vous donner une leçon que vous n'oublierez pas avant. Vous allez perdre, bande. Même si vous me tuez, Icar passera en mode sécurisé. Vous ne parviendrez jamais à l'arrêter. Parfois, la chance peut tourner.